sais, il n'y a plus d'ambiance, tout le monde est descendu. Oui, il y a une putain d'ambiance dans le parking, par contre. C'est vraiment un truc de fou. Juste le temps que vous sachiez quand même que demain, on se fera avec Oreo. Là, vous aurez la possibilité de gagner un gros cadeau par heure. Je crois qu'il y a un iPad Air, un lampadaire, enfin, que des trucs en rien. Un iPhone 5S. C'est cadeau, c'est cadeau de ouf demain, toutes les heures. Continuez de voter, même si je crois que Marion a pris le pas devant Piette. Donc, continuez d'aller faire un tour là-dessus. C'est oreo.energie.fr. Vous n'oubliez pas que le 4 avril 2015, qu'est-ce qui se passe, Jérém? Oh putain, Jérém, t'as pas eu Toi, lèche-cul comme tu es, t'as oublié cette déjà réservé. C'est un faux lèche-cul. J'ai déjà réservé la place, je l'ai même payé. Ça, c'est bien. Mytho. Bah, allez, je te ramène la place. Pour la dernière du One Man, la dernière, la grande fête, c'est au Palais des Sports de Paris. Et t'as déjà dit une surprise. Oui. Comment? T'as déjà dit une surprise, ouais. Kev? Bah ouais, c'est pas sûr. Peut-être d'autres surprises encore. Ouais, il y a d'autres surprises, mais. Des surprises et des surprises, et ce serait un truc de fou. Ouais, ça va être un truc un peu ouf. C'est la dernière du One Man pour fêter une tournée, mais ça va être un truc un peu voilà. Faisons et donnons du plaisir. Allez. J'appuie sur quoi? Pourquoi je. Ah oui, d'accord, bah, la sur première, le 4. C'est pas pour moi? Non. Je me disais aussi, je vois pas ce que ça vient faire là. D'accord. C'est pour Guillaume après. Qu'il soit une émission, les mecs, vous avez des pics. J'ai le droit de dire, il faut pas trahir le secret. Si, c'est prévu. Et c'est en pyjama. Est-ce que c'est vos pyjamas perso? Non, bah non, et ça se voit, en fait, si tu veux, les nôtres, ils étaient tellement ridicules. Moi, il manquait un bout de la jambe. Moi, j'ai pas de pyjama. Tu peux pas pécho avec ça, je te dis. En fait, j'en ai gardé un depuis tout petit, lui aussi, il a un. C'est Picsou, non? Ah, mais alors lui, mec. C'est pire. La combi pyjama, mon gars. C'est une combi. Mais non, c'est le pantalon qui monte super haut. Ah, si, c'est une combi, ça. Ah, ouais, non, ça le fait pas. Ah, par contre, mademoiselle, elle est sexy. C'est tu vois, c'est ça la différence. C'est que t'as des filles, elles mettent le pyjama, elles sont classe. Et il y a des mecs, et nous, que les mecs, quand on met pyjama, on a l'air con, ça fait. Complètement. C'est comme le jogging, tu sais, elles mettent des petits joggings bébés. Elles sont classe, nous on met un jogging, on a l'air beauf. Et son bas de pyjama est en satin, mon avis, c'est fait. Et tu vois qu'on parle de ton haut de pyjama, Julie, que t'as porté ce soir. Parce que là, tu peux rester avec eux. Toi, tu vas passer la nuit avec eux, t'as un haut de pyjama. Allez, on va finir.